L'espace Grand Bandundu s'active pour la victoire du candidat du FCC aux élections du 23 décembre 2018, Emmanuel Ramazani Shadary. Cette dynamique insufflée par le secrétaire général de la majorité présidentielle au Bémin Nakou a été fortement suivie. Le soutien tous azimuts au candidat de la majorité présidentielle, au candidat du Front commun pour le Congo. Après Kinshasa, Idiofa et autres territoires de l'espace Grand Bandundu, c'est le tour de la population de la ville de Kikwit de pouvoir démontrer le soutien inconditionnel au candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary. C'est là, avec la mise en place d'une structure dénommée Tout Kikwit pour Emmanuel Ramazani Shadary, pilotée par Jean-Claude Mungala Molongi, maire adjoint de la ville de Kikwit et coordonnateur de la majorité présidentielle, cette structure ne jure que sur la gagne d'Emmanuel Ramazani Shadary. Pour gagner les élections, il y a des préalables. Okay. Et là, nous sommes en train de nous préparer. Nous sensibilisons au moment. Nous faisons le rappel des troupes pour pouvoir nous permettre de l'accompagner jusqu'aux élections. Nous devons shadariser la ville de Kikwit. La ville de Kikwit doit absolument appartenir notre camarade Emmanuel Shadary. Donc la ville de Kikwit sera shadarisée, croyez le mot. Portez le nom du candidat du FCC Emmanuel Ramazani Shadary. À la base, pour fédérer toutes les énergies et mobiliser la population pour une victoire sans faille, l'espace Grand Bandundu s'exécute et répond favorablement à l'appel lancé par Obemina Kunjala Njoko, secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Soutien tous azimuts à Emmanuel Ramazani Shadary pour la victoire finale le 23 décembre 2018.